Bonjour, nous avons tous été agacés par le fait de rentrer systématiquement le mot de passe pour rentrer dans sa session Microsoft et j'avais à l'époque réalisé une vidéo pour montrer comment automatiser cette saisie de mot de passe. Alors voici une nouvelle vidéo puisque le nouveau Windows, la version 20.04, apporte un petit paramètre complémentaire, supplémentaire, qui modifie légèrement la procédure. Donc autant la mettre à jour. Pour commencer, dans les paramètres de Windows, on va venir dans la section compte et s'assurer que on n'a pas de compte local. En l'occurrence, moi, je n'en ai pas, mais si vous en avez un, il faudra le sélectionner et le supprimer. Vous devrez certainement rentrer votre mot de passe pour le supprimer. On va se connecter avec un compte Microsoft. Alors, personnellement, j'en possède déjà un et on va saisir ses identifiants. En premier, on nous demande l'adresse mail du compte Microsoft. Ensuite vient le mot de passe, se connecter, et comme la double authentification est une précaution que je trouve essentielle, je vais choisir de vérifier l'identité par un SMS envoyé sur mon téléphone portable. On me demande les quatre derniers chiffres de mon numéro de téléphone et on fait envoyer le code. Voilà. Le code a été reçu sur mon téléphone. Il me reste à saisir ce que j'ai reçu. Vérifier. Et là, je suis bien sur mon compte Microsoft. Le mot de passe actuel, je n'en ai pas. Suivant. Et comme il s'agit de ma première connexion, on me demande de créer un code confidentiel. C'est devenu un paramètre qui est maintenant obligatoire. Donc en l'occurrence, je vais faire simple pour cet exemple en mettant un code à 4 caractères. Voilà, je suis connecté à mon compte Microsoft et tous les paramètres vont se synchroniser par rapport aux autres machines sur lesquelles ce compte est déjà connecté. Alors on va voir certainement dans la zone des notifications apparaître l'icône de OneDrive, non connecté. On pourra en profiter pour connecter le compte OneDrive. Se connecter. Configurer, on va me redemander mon adresse du compte Microsoft. Voilà, le dossier dans lequel vont se trouver mes fichiers qui sont en ligne dans le compte OneDrive vont être placés dans le dossier qui est indiqué par défaut. Voilà, on voit que dans le dossier du disque dur C, dans le dossier OneDrive, la synchronisation s'effectue. On va fermer ça et a priori, on devrait voir le petit icône de OneDrive qui dit à jour. On peut même le déplacer ici. On voit ici que le thème sombre est apparu puisque j'ai l'habitude de travailler sur un thème sombre sur mon poste de travail habituel. Donc là, c'est synchronisé sur le thème sombre. Donc là, je suis connecté à mon compte OneDrive. C'est parfait. On va fermer tout ça. Dans la procédure que j'avais déjà exposée, on faisait un clic droit sur le bouton Windows, exécuter, et on tapait la commande Control User Passwords 2. Je vous mets la commande dans la description et on fait OK. Et là, la petite case qui permet de choisir ou non de modifier le mot de passe, de l'automatiser, n'apparaît plus. Et c'est un peu ce qui embête pas mal de monde dans les commentaires que j'ai pu recevoir. Alors l'astuce est la suivante. On va faire annuler et on va venir dans les paramètres, Windows paramètres, et dans le champ de recherche, on va taper Hello.
c'est la fameuse fonction Windows Hello qui permet la connexion par reconnaissance faciale. Et là, quand on regarde bien, exiger la connexion à Windows Hello pour les comptes Microsoft, c'est activé. Il suffit de la désactiver en cliquant sur le petit curseur. Voilà, c'est désactivé. On va fermer les paramètres et on va revenir dans la commande exécuter. Control User Passwords 2 est encore saisi, on fait OK. Et là, au miracle, la petite case apparaît. Les utilisateurs doivent entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur. On va décocher cette case-là. On va venir appliquer. Et là, on nous demande les identifiants du compte Microsoft. Donc, exactement ce que nous avons saisi tout à l'heure. L'adresse mail de mon compte Microsoft. Ainsi que le mot de passe que nous allons répéter deux fois. On fait OK. OK. Et l'opération est terminée. On va vérifier en redémarrant la machine. Et normalement, la connexion à la session sera automatique sans saisie de mot de passe. On arrive bien sur l'écran d'accueil. Mon nom apparaît. Bienvenue. Le mot de passe n'est pas demandé. Et nous voici rentrés dans la session. Donc cette fonction fonctionne parfaitement. N'en déplaise aux quelques détracteurs qui écrivent dans les commentaires « ça ne marche pas » sans préciser pourquoi, alors que des milliers d'autres l'ont utilisé avec succès. Maintenant vous avez la solution. Il suffit de désactiver la fonction Windows Hello. À vous de jouer et vous verrez, c'est un succès garanti. Je l'ai installé sur des dizaines, voire des centaines de machines. Allez, à bientôt.